Ouais, en même temps, si je mets mute, forcément, ça marchera moins bien. Petit piège du Sennheiser, c'est le bouton mute. 1, 2, 3, 1, 1, 2. On laisse passer l'avion. Ah là, il passe juste au-dessus de ma tête. Hein. Salut à toi, internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton écran. Oh oui, je sais ce que tu es en train de te dire. Il est en vacances. C'est ça. Et juste derrière moi, c'est mon camion. Pour me balader dans toute la France et dans toute l'Europe pour faire de belles images. Et je vous ai parlé de ma nouvelle chaîne YouTube que je viens de lancer. Voyage, voyage, forcément, camion, photo, il y avait un truc à faire. Et bim, marketing. Je te l'ai vendu, je te l'ai placé comme ça, quoi. Le lien, juste en haut à droite. Va t'abonner. Et puisqu'on parle de marketing, Apple, pour rebooster ses ventes d'iPhone 6, 7, 6 ou 7, en fait, on ne sait plus vraiment. C'est quoi la nouveauté de celui-là? iPhone 6, iPhone 7, 7 rouge, 7 gris, 7 C, 7 B, 7 A, 7 vert, 7, 7 aluminium. Bref, à défaut d'être révolutionnaire par manque d'innovation technologique, Apple a décidé de collaborer avec Michel Gondry, artiste connu et reconnu. Non, mais ça fait toujours bien pour une marque de s'associer avec un artiste. Avec un peu de chance, on va penser que le génie vient de la machine plutôt que de l'homme. Ouais. Hein. Personnellement, j'adore Michel Gondry. Oui, je sais, toi qui es né dans les années 90, ce monsieur ne te parle pas beaucoup. C'était l'époque où l'industrie du disque vendait encore des disques et produisait des clips à gros budget. Un vrai clip, du clip de chez Clip, qui représentait l'artiste, avec de la belle image. Ah non, 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 pas comme aujourd'hui. Hein. Parce qu'aujourd'hui, pour 3000 euros, on veut un réalisateur, des moyens techniques et humains. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce temps-là... Ok. J'étais pas très sûr de cette blague. Hein. Je vais y aller. C'est à cette époque qu'on a vu émerger des talents comme Michel Gondry. C'est un génial touche-à-tout bidouilleur. C'est bien simple. Ce mec, avec trois pauvres trucs, il te faisait des effets spéciaux de dingue. De dingue. Ah, mais de dingue. Il a fait des clips pour tout le monde. Björk, les Rolling Stones, I Am, les Chemical Brothers, Kylie Minogue. Ouais, enfin, certainement des fois, il fallait bien vivre. Tout le monde. Même les Daft Punk. Around the world, around the world, around the world, around the world, around the world. J'étais pas super sûr de la vanne. En plus, il fait chaud à mourir là-dedans. Ouais, parce qu'en fait, j'ai toujours un casque dans mon camion, parce qu'on sait jamais, si à un moment donné, je me sens pas en sécurité sur la route, bah, je mets mon casque. Michel Gondry, c'est aussi un super réalisateur de films. Il a réalisé, entre autres, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est génial. Oh, ce film avec Jim Carrey, oh là 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 là, c'est son meilleur. Les autres sont bien, mais celui-là, quand même, il est extraordinaire. Oscar, quand même, du meilleur scénario. Ça, ça claque sur un CV. Hein. Bon, au-delà d'être un réalisateur créatif et formidable, c'est quand même aussi un poète qui a gardé une âme d'enfant. En fait, Michel Gondry sait faire de belles images avec pas grand-chose. Il reprend les bonnes vieilles méthodes que Méliès avait fait et il les met juste à la sauce contemporaine, tout simplement. Il y a toujours chez lui un petit côté kitsch, un peu amateur. Mais détrompez-vous, hein, tout ça est très maîtrisé. C'est bien pour ça que Apple est allé le chercher. Ce qu'il faut retenir de cette opération commerciale, c'est qu'aujourd'hui, on peut produire des films de qualité avec seulement un téléphone portable. iPhone, Android, j'ai un peu envie de te dire, peu importe. Surtout, surtout, ce qu'il faut, c'est des idées, un scénario, de l'originalité et surtout du travail. Ben ouais, faut bosser un peu. La technique, ça t'aide juste à produire. C'est tout. C'est un petit peu ce que je reproche aux marques. C'est de te faire croire que t'es un créateur parce que t'as l'objet. Ou parce que t'as l'objet, t'es un créateur. Oh. Eh, ça va, ouais. Ça claque un peu, là. Je vais peut-être bouger. Comme le dit le célèbre JBDL, ouais, en fait, il n'est pas si connu que ça, en fait. Je le connais bien et ma bande de potes aussi le connaissent très bien. Mais il dit quand même des choses super intelligentes. Il mériterait d'être connu. L'outil s'est démocratisé, mais pas le talent. Bref, si vous ne connaissez pas Michel Gondry et son univers, je vous conseille vivement de regarder d'abord ses clips et après ses films.
Je vous ai mis pas mal de liens sous cette vidéo. Et pour ceux qui connaissent déjà, bah c'est toujours un vrai plaisir de regarder ses films et ses clips. C'est ça aussi les grands artistes, hein. C'est que même après quelques années, c'est toujours des bons crus, hein. Quand on regarde ses clips, quand on regarde ses films, ça vieillit plutôt bien. Et achetez le téléphone qui vous convient. Peu importe que ce soit un iPhone ou un Android ou une autre marque, l'important c'est qu'il corresponde à vos besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo, à la liker en bas à droite ou à la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Allez, salut ! Fais une sieste, moi.